et bienvenue, je vais vous faire un tour d'horizon, très probablement non exhaustif, de points sur lesquels porter son attention lorsque vous souhaitez modifier un patron de couture. Comme modèle d'illustration, voici ici Mutsumi en version robe à encolure bateau. Justement, cette encolure, si vous avez l'envie d'une encolure plus ronde, moins dégagée au niveau des épaules, il faudra être vigilant au passage de la tête. J'en ai parlé dans la vidéo sur l'importance de faire des toiles. Si vous modifiez l'encolure, veillez bien à ce que votre tête passe toujours au moment d'enfiler le vêtement, sinon il faudra rajouter un système d'ouverture. Faire attention également à ce qu'on appelle la grosseur de bras. Plus votre manche sera ajustée et près du corps, plus il faudra bien vérifier que le bras continue de passer sans se retrouver serré ou bloqué, surtout si le tissu que vous utilisez est non extensible. Ce qui rejoint l'aisance du dessous de bras. Si vous modifiez l'emmanchure ou la hauteur du dessous de bras, il faut pouvoir continuer à se mouvoir et lever le bras sans difficulté, ou du moins jusqu'à un certain point. Par exemple, sur une veste tailleur, vous ne pouvez pas lever les bras au plafond sans que le vêtement ne se déplace également. Ensuite, si vous n'aimez pas les vêtements larges et que vous préférez les ajuster, vigilance au cintrage. Il entraînera très probablement une mise en place d'un système d'ouverture, comme une fermeture à glissière ou des boutons. Généralement, le corps d'une femme est plus large au niveau de la poitrine et des hanches, il faut bien pouvoir les passer. Plus basique, la modification de la longueur. Vérifiez juste que la nouvelle longueur choisie vous convienne. Ce serait bête d'avoir coupé trop court et obtenir une robe au genou alors qu'on la voulait midi, c'est-à-dire mi-mollet. Mesurez bien avant de couper. Et enfin, vérifiez l'allure générale et ce qui va mettre en valeur votre corps. Il n'y a pas de règle, c'est selon votre ressenti. Une personne ayant une carrure développée peut aimer cet aspect chez elle et le mettre en avant avec une emmanchure américaine, alors qu'une autre préférera mettre en évidence ses hanches avec une jupe crayon. Votre morphologie, votre corps, votre choix. À demain !